Bon, je change de véhicule aujourd'hui. Fais voir. Hop. Ouais, oh, ça change pas beaucoup. Avec les rétro, ok. Voilà, t'as l'écoute. Tu veux l'épiler, va. On est ok. Je t'entends bien. Allez, c'est parti. Bon, oh, ça va. Bon, bah, là, je change de moto, là. Alors... Salut les amis, comment que ça va? C'est Bébert, ça va super bien. Alors je pense que vous allez me prendre pour un mytho, mais j'ai enfin la place ultime pour passer mon permis. Ouf! Bah c'était pas gagné, même aujourd'hui. Hein. J'étais pas rassuré, j'ai passé un examen et bon. Donc c'est la dernière leçon conduite, donc je suis hyper content. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Quand je suis content, je vomis. Ce qui signifie que bah demain, ça y est, c'est le grand jour, permis. Donc il faut que je sois en mode examen, là. Donc ma ville m'a mis un petit peu la pression. Bon, léger, hein. Mais bon, j'ai l'habitude, ça va. Donc avec la 125, ça aide beaucoup quand même. Hein. Ça dégrossit quand même pas mal le travail, on va dire, de conduite. Parce que vous avez déjà les bons réflexes. Salut les abonnés, je voulais d'abord tous vous remercier vraiment du fond du cœur pour la dernière vidéo. Vous m'avez beaucoup suivi, beaucoup soutenu. Merci du retour. Vous avez été hyper nombreux. Alors tous autant que vous êtes. Hein. Donc je pourrais pas tous vous citer, c'est impossible. Voilà, donc j'attends les consignes de David. Donc vous pouvez profiter du magnifique pont levant de... Ça va. Attends, je vais te dire ça quand je pose le pied. Ouais, c'est bon. C'est ça. Il me dit de mettre des chaussures avec des talons, oui, parce que en fait, la moto est un poil plus haute. Mais bon, ça va. Ça se gère. Je suis ravi. Ravi et content qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Avec ce permis, mon dieu que ça a été long, bah parce qu'il n'y a plus d'inspecteur. Hein. Je force un peu le regard, hein. J'essaye de m'appliquer dans ma conduite. Hein. Donc quand on conduit, on vérifie chaque intersection. Donc même aux petites intersections, n'hésitez pas à mettre des petits coups de frein aux inters. Attends, mais celle-là, elle queen, mais c'est un truc de fou. Alors surtout, tu t'arrêtes bien, tu marques bien l'arrêt. Ah, on a encore les couleurs d'automne, hein, c'est quand même... on a quand même de la chance. Finalement, il fait pas si froid que ça. Hein. Je suis pas très bavard parce que je suis concentré. Ouais, donc ça va, la MT, elle a été rabaissée de 2 cm. Bon, j'arrive à toucher quand même les pieds, donc ça va. Donc pour les petits gabarits, ça ira. Puisque je fais mon 1m67 au garrot. Ce petit m'énerve. Donc merci infiniment, merci à tous pour votre sympathie, pour votre gentillesse, pour tous vos messages. Ça m'a beaucoup touché, donc merci à tous. Comportement dynamique, hein. Ne pas se laisser surprendre, toujours avoir un œil partout, la tête comme une girouette, bien le contrôle bien contrôlé, être légèrement au-dessus de la vitesse, 3 à 5 km/h, c'est bien. Si vous pouvez, évidemment, hein, parce que le jour de l'examen, il y a le stress en plus. Donc, petite intersection, là, pareil, on contrôle, on met un petit coup de frein. Later. Donc on refait le même parcours, hein, mais dans l'autre sens. Hein.
C'est ce qu'il m'a expliqué, donc ça sera le même parcours que dans la vidéo précédente, mais sauf que c'est à l'envers. Enfin, c'est dans l'autre sens. Voilà. Pour repérer le parcours habituel, on va dire, de la conduite. Donc on profite de ces derniers instants, on va dire, d'apprentissage. Et après, ça sera peut-être la liberté. Voilà, je parle au conditionnel encore, parce que je tire plus de plan sur la comète. Hein, parce qu'avec tous les déboires que j'ai eus, je préfère plus m'avancer. Donc on va retourner du côté de Marigny. Voilà. Et on a toujours nos magnifiques couleurs d'automne. Donc on va quand même rouler mollo sur route humide. Donc aujourd'hui on n'aura pas trop de soleil, hein, mais bon, on a quand même les couleurs chatoyantes de l'automne. Donc on va pas se plaindre. Moi, c'est ce que je me dis, dans la vie il y a toujours plus malheureux que soi. Une magnifique vue sur la petite vallée de Marigny. Dédicace à Quinquin d'ailleurs. Ça m'a fait super plaisir de ton petit message apparemment. Donc tu t'es fait un petit plaisir en Clio RS. Donc grosse dédicace à toi Quinquin. Parce que je sais que voilà, tu es du coin. Donc là il y avait David qui m'indiquait la priorité à droite. Donc demain il n'y aura pas David pour me dire regarde à droite, hein, c'est en autonomie comme un grand garçon, hein. Là aussi il y a un petit chemin de traverse là. On sait jamais. Voilà ce que David vient de dire. Même si c'est un petit chemin de terre, on contrôle, on est curieux, on tourne le regard. Ouais. Ah, d'accord. C'est clair. Donc là, il y a David qui m'indique que bah, la signalisation est mal installée. Donc la priorité à droite est mal indiquée. Donc c'est vrai que ça peut tromper. On peut tromper 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois la même personne. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok. Voilà. Purée de patate, ça fait du bien. Voilà. Donc là, on force le regard, voilà. Faut forcer. Il faut forcer le regard, toujours. Ah ouais. Voilà, donc là il y a David qui me réexplique le chemin dans l'autre sens. Donc elle est ici la priorité, donc faut bien que je m'en rappelle. Donc on est pas mal, hein. Ça sent bon tout ça les amis, hein. Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou vers le bas, je m'en fous. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc vos avis m'intéressent. Vous, jeune permis, comme vieux permis, comme je me définis. Alors, gauche, droite. Bon, bon, quand on sait pas, c'est tout droit. Ok. Si tu dis rien, c'est tout droit. Merci pour tous vos avis, hein. Merci pour vos commentaires, hein, ça m'a vachement aidé. Et merci à tous ceux qui font des vidéos pour le permis A2. Parce que ça aide, je pense, les débutants à moins appréhender, on va dire, le jour de l'examen. Donc moi, j'aurais été content d'avoir une vidéo où on montre un petit peu le permis, comment ça se passe, voilà. Les slaloms, l'évitement, enfin bon, la présentation à l'examen, tout quoi. Donc je vous ferai peut-être un petit résumé après avec ma future moto, on verra. Pour le moment, là je suis dans mes deux dernières heures de conduite. Demain, c'est permis, tout est permis.
Évidemment, la GoPro a bugué au dernier moment. Donc maintenant, je peux vous dire que j'ai eu mon permis avec le maximum de points, c'est-à-dire 27 sur 27. Ce qui veut dire que la future vidéo qui suivra se fera avec ma future moto que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Donc un gros V à tous, un gros merci à vous tous les potos motovlog aussi. Ciao à plus, c'était Bébert, la bise de Bourgogne et n'oubliez pas d'être heureux.